Je vais céder la parole à, à M. Maxwell pour sa présentation sur le, le principe de la neutralité des plateformes. OK, merci beaucoup. Vous voyez mes slides? Super. Donc, euh, oui, bonjour. Juste un mot d'abord sur… Euh, je travaille à Télécom Paris et je co-dirige… Un, Programme qui s'appelle Operational AI Ethics, où on, a, on combine six, six disciplines différentes les, les maths, les statisticiens, data scientists, économistes, uh, sociologues, et, et, et moi en tant que de juriste, uh, pour étudier des, des problèmes d'algorithmes. De um, et donc, la neutralité des algorithmes, uh, c'est un des sujets de recherche uh, dont je m'occupe uh, plus particulièrement. Donc, la neutralité des plateformes, euh, c'est de nouveau à la mode. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, D'abord, la neutralité, c'est quoi? Euh, on en a beaucoup parlé il y a déjà une vingtaine d'années pour la neutralité de l'Internet. Ça a débuté aux États-Unis et puis finalement, euh, on a un règlement européen maintenant. Et que vise cette fameuse neutralité? Mais il y a deux objectifs. Il y a un volet économique, à savoir des conditions non discriminatoires pour favoriser euh, les petits aussi bien que les grands, euh, et puis un volet liberté d'expression. Et, et c'est sur ce volet-là que je vais vous parler euh, plus particulièrement aujourd'hui. Qu'est-ce que le neutralité veut dire lorsqu'on parle de gestion de contenu Alors, le neutralité des plateformes a été évoqué, c'est même le titre d'un rapport du Comité national du numérique de 2014. Il a tenté de donner une définition, y compris une définition qui dit c'est la non-discrimination entre les formes d'expression et de contenu partagé. Ça sonne bien, mais on va voir que la non-discrimination, c'est pas tellement facile à faire lorsqu'on parle de gestion de contenu ou modération. Et puis, le, le, le principe de neutralité dans la liberté d'expression, euh, c'est un principe qu'on revoit depuis des décennies euh, dans la jurisprudence de la Cour suprême américaine par rapport au Premier amendement. Euh, les, la réglementation gouvernementale des contenus doit être content neutral, donc euh, neutralité par rapport au point de vue. Donc, euh, tout, euh, toute réglementation qui ne serait pas neutre serait anticonstitutionnelle. Mais ensuite, on pose la question, est-ce qu'une neutralité est possible euh, lorsqu'on parle de modération de contenu? Ben, le rapport du CENUM euh, même dit que ce n'est pas, pas possible. Euh, et on a un projet de recherche avec le, le CDC à l'école sur une plateforme. Qu'est-ce que c'est une plateforme? de recommandations dans l'intérêt public. Il s'agit il, il de la plateforme Mon compte formation, la formation professionnelle. Et donc, une plateforme, que ce soit un moteur de recherche ou recommandation, il s'appuie sur les caractéristiques de l'utilisateur, les caractéristiques des contenus, les critères commerciaux. Ça, c'est un, un grand débat parce que Facebook, par exemple, il, va, il se rémunère plus on engage la personne à rester. Euh, donc, les critères commerciaux, est-ce que ça va provoquer un clic? Est-ce que ça va provoquer une, un phénomène d'addiction? Ben, C'est un critère. Et puis, il y a des critères d'intérêt public, des critères légaux, euh, de légalité, éthique, etc., qu'il faut aussi mettre dans la sauce. Et un des objectifs de notre projet, c'est de savoir comment on met ces critères d'intérêt public dans la sauce de ce euh, moteur de recommandation. Mais on voit bien que c'est tout sauf neutre. Alors pourquoi un nouveau souffle pour la neutralité? Euh, ben, la Cour suprême euh, a traité une affaire euh, ce printemps euh, c'est le, 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 Twitter qui a mis dehors Donald Trump. Il a fermé le compte du président des États-Unis à un certain moment, après le, le, les événements au Congrès. Euh, et donc, il y, avait, euh, il y avait une procédure. Et la Cour suprême a décidé de ne pas entendre la procédure. Néanmoins, un des membres de la Cour suprême, qui est surtout euh, plutôt sur la branche conservatrice, a fait un avis très intéressant euh, qui dit, finalement, les plateformes... Ils ne tombent pas sur le premier amendement directement parce que ce ne sont pas des espaces gouvernementaux. En revanche, ils ont un pouvoir quasi étatique sur la liberté d'expression et il a pointé la voie pour une régulation fondée sur cette, cette vieille notion anglo-saxonne qui s'appelle common carrier, le transporteur public, qui est un opérateur privé, mais a suffisamment d'importance qu'on lui impose certaines obligations. Et typiquement, c'est des obligations de non-discrimination. Peu de temps après, ben, l'État d'Ohio a assigné Google Search pour dire Ah, vous êtes un common carrier. Euh, je veux que le tribunal déclare que vous êtes un common carrier. Donc, cette procédure est en cours. Euh, il y a peu de chances d'aboutir parce que normalement, il faudrait une intervention législative pour, pour faire ça. Mais c'est pour ça que le, le concept de neutralité, tout d'un coup pour les plateformes, saute de nouveau à la surface aux États-Unis. Il y a une doctrine florissante, j'ai toutes les références à la dernière page que, que je vous, vous aurai plus tard, mais on se rend compte en liberté d'expression que, que l'objectif n'est plus seulement de favoriser la multitude des points de vue mais plutôt de s'interroger sur les conditions nécessaires pour une infrastructure de débat démocratique sain. Euh, et, et il y a un consensus également que les plateformes, les plateformes majeures, je dis, euh, jouent un rôle euh, d'intérêt public et ce rôle d'intérêt public doit euh, être accompagné de certaines obligations. Euh, alors, là, il y a un débat sur c'est quoi ces obligations, quel est le bon remède Uh, et je vous envoie vers la, la doctrine très riche uh, sur ce point. Il y a un lien très fort avec le droit de la concurrence. Le uh, Stigler Committee, uh, Tim Wu, ils, des, des, ils, ils disent que um, le droit de la concurrence n'est pas là juste pour protéger la concurrence et le, le bien-être des consommateurs, mais au fond, il est là pour préserver la démocratie aussi. Uh, et il pointe des, des, uh, des théories de la, des premières lois antitrust aux États-Unis dans les années 30. Alors pourquoi, uh, pourquoi pas réguler les plateformes comme un média audiovisuel après tout? Lorsqu'on dit que c'est important, bon, on pense immédiatement à la télé. Uh, ben effectivement, uh, il y a une grande histoire. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais uh, aux États-Unis, la, la, la télé était obligée. Uh, de présenter des points de vue de manière équilibrée, équilibrée et objective. Et cette même obligation, vous les trouvez aujourd'hui dans les conventions de TF1 ou de France Télévisions avec le CSA. Uh, il y a une ob obligation de équilibre, pas de neutralité forcément, mais ne, uh, de montrer les choses de manière sérieuse, équilibrée. Uh, cette doctrine fairness doctrine a disparu petit à petit sous la, la théorie que euh, finalement, si vous avez suffisamment de points de vue dans le marché librement, vous n'avez pas besoin d'imposer cette euh, neutralité forcée. Euh, et c'est pour ça, par exemple, que qu'on a aux États-Unis le, le CDA, le Communications Decency Act, et c'est ça aussi qui fonde un petit peu le e-commerce directive, euh, c'est-à-dire plus... Uh, une liberté totale, finalement, va faire le ménage et favoriser la liberté d'expression. Mais on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas totalement vrai. Euh, la, la multiplication des points de vue euh, va conduire à certaines aberrations qu'on constate. Euh, C'est un peu le chaos et le, 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 celui, ceux qui parlent le plus fort et qui ont le plus de bots euh, qui vont gagner euh, le débat. Uh, et donc, la, la liberté d'expression, ce n'est pas juste les points de vue uh, multiples avec le marché des idées qui marche tout seul. Non, il faut uh, une, une infrastructure de confiance, uh, des intermédiaires de confiance. C'est le rôle du journalisme et c'est un peu le rôle de, de, donc de la régulation du visuel. Donc, on constate un glissement uh, tout naturel. Euh, Alexandre a fait allusion à cela, juste à regarder notre loi du 30 septembre 1986. Avant, le CSA régulait le service de télévision et de radio. Ensuite, c'était étendu au SMAD, euh, audiovisuel à la demande. Ensuite, on a rajouté des plateformes de partage de vidéos, type YouTube. Et maintenant, depuis 24 août euh, 2021, on rajoute les, toutes les plateformes. Uh, finalement. Uh, donc, donc, il y a un glissement uh, naturel. Um, alors, ce glissement, typiquement, uh, la, la, les régulations de, de, de services publics, c'est-à-dire on impose des obligations de services publics en échange de quelque chose, en, en droit des médias. Donc, souvent, c'est des exclusivités. Uh, je, je vous donne des, des fréquences gratuitement, voilà, aux chaînes, et en contrepartie, vous avez des obligations de services publics. Ou bien il s'agit d'une promesse de ne pas euh, vous appliquer une sanction plus lourde en droit de la concurrence. Par exemple, um, um, un settlement uh, en droit de la concurrence aux États-Unis. Uh, au lieu de vous casser en petits morceaux, bah, vous avez, allez accepter uh, plein d'obligations de services publics. Et puis après, évidemment, et c'est notre propos aujourd'hui, il y a cette bargain entre la, le niveau de responsabilité et les exonérations de responsabilité en échange d'obligations de, de, de services publics. Et ce deal a été fait avec le E-Commerce Directive et le CDA aux États-Unis. Et le propos aujourd'hui, c'est de refaire un peu l'équilibre, comme on a fait un peu en droit d'auteur. Donc, c'est mon dernier slide. Uh, donc, c'est... Uh, je, je voulais juste illustrer avec les cercles. Qu'on est, est en présence finalement d'une sphère de, de réglementation privée au sein des plateformes sur les contenus. Et c'est tout à fait. Euh, je suis content qu'Alexandre ait mentionné l'industrie financière parce que c'est un peu comme ce qu'on fait avec les banques. On, on, on délègue des tâches de réglementation, de compliance, par exemple anti-blanchiment aux banques qui, eux-mêmes, mettent en place des systèmes qui sont ensuite surveillés par le régulateur, bien sûr. Et, et on, on trouve ça finalement dans l'article 42 de la loi du 24 août dernier. Um, on a quelques obligations d'intérêt général, une lutte contre des contenus illicites de différentes sortes. Uh, et puis, c'est ça ce qui je trouve intéressant, c'est qu'on va insérer dans ce système privé des principes d'état de droit. C'est-à-dire, euh, Facebook, vous êtes important, une plateforme est importante, euh, vous avez des pouvoirs quasi étatiques, donc il faut insérer finalement des protections à l'intérieur de votre système privé euh, qui, qui sont assez fortes et qui respectent, euh, qui, qui se rapprochent de l'état de droit. Transparence euh, des règles. Uh, cohérence avec des valeurs constitutionnelles, un système de contestation et puis un contrôle institutionnel, évidemment, et ça, c'est le, le législateur français qui a donné ce contrôle um, au CSA. Voilà, ça c'est mes références, mais vous, vous les aurez quand vous aurez uh, les slides hein, uh, et, et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour cette, euh, cette présentation.